À quelques semaines de la tenue des élections pour le poste du président de la Fédération sénégalaise de football qui doit se tenir le 7 août 2021, les amateurs et professionnels du ballon rond se prononcent. C'est à l'image du double ballon d'or africain et Eladio Sénou Diouf venu suivre la finale de la Coupe du Maire de basket de Ziguinchor qui, selon lui, les votants doivent choisir le meilleur candidat pour le bon fonctionnement du football sénégalais. Maintenant, les candidats sont rentrés en lice et je crois que il y a 4 candidats. Aujourd'hui, il faut regarder le meilleur profil et c'est au club de voter et de faire confiance au meilleur candidat et que le meilleur gagne. Et c'est ça l'essentiel. Vous savez, maintenant, je fais partie de l'amicale des internationaux du football sénégalais. Et pour moi, le plus important, c'est qu'eux tous, ils vont venir nous voir, que ce soit le président Augustin Senghor, que ce soit le président Madi Touré, que ce soit le président CR5, que ce soit le président Baydiouf Dia. Je fais partie de l'amicale où je suis le premier vice-président chargé de l'intérim. Et on a un président qui s'appelle Cheikh Tidiane Seck. Notre association des internationaux, ils vont venir nous voir, ils vont parler avec nous. On va voir le meilleur projet, parce que c'est comme les élections présidentielles. Il faut voter et quand on vote pour un président, on le vote parce que l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre football est en jeu. Et c'est ça qui est important. Il faut voir le projet de tout un chacun. S'agissant du manque criard des infrastructures, l'ancien international sénégalais se prononce. J'ai bien dit que c'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais il faut aussi voir que l'État a fait du très bon boulot. Parce que quand l'État donne son avion et il donne l'hôtel et la fédération est entrée aussi, la fédération a fait du très bon boulot. Quand on voit que les jeunes, on joue de partout, des finales. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai qu'il y a des manquements. Après, on va essayer de le faire. L'État est en train de faire un stade de très haut niveau, de standing très relevé. D'ici peu de temps, on ne parlera plus de stade de football. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et ce que j'ai à dire aux joueurs aussi, en Afrique, quand on joue, quand on veut jouer pour le Sénégal et pour des pays comme le Sénégal, la Zambie, la Gambie, il faut s'adapter. Et c'est aux joueurs de s'adapter. On est premier en Afrique et c'est ça qui est important. Mais je dirais à l'État, à la fédération, et ils le savent, ils doivent faire des efforts et ils sont en train de le faire. Selon Eladio Sénou Diouf, le portier sénégalais Edouard Mendy est bien parti pour être ballon d'or africain. Il a été meilleur joueur africain cette année. Maintenant, pour le ballon d'or, il est bien parti parce qu'à chaque fois qu'on est meilleur joueur, on est ballon d'or la saison d'après. Et espérons qu'il sera le prochain ballon d'or parce que le Sénégal le mérite. C'est un grenier de football et ce garçon, là où il est parti et là où il est aujourd'hui, c'est que du travail et il le mérite. Avant de connaître le futur président de la Fédération sénégalaise de football, les Sénégalais espèrent connaître les lendemains meilleurs du football sénégalais.